Ici, nous allons résoudre des équations algébriques en plusieurs étapes. Alors pour résoudre une équation formée de plusieurs termes, regroupe les termes variables d'un côté et les termes constants de l'autre côté. En d'autres mots, nous allons mettre les termes semblables d'un côté et de l'autre du signe d'égalité. Dans notre cas ici, nous avons des termes variables, c'est-à-dire des termes qui contiennent la variable x, et nous avons aussi des termes constants, c'est-à-dire qui n'ont pas de variable de plus 2 et de moins 4. Alors, pour une première étape, plaçons les termes variables sur le côté gauche de la signe d'égalité. Alors, ici, on a 3x plus 2 est égal à 2x moins 4. Nous voulons placer le 2x sur le côté gauche. Alors, nous allons soustraire 2x de ce côté-là. Et si on soustrait 2x du côté droit, on doit soustraire 2x du côté gauche. Alors, le côté droit, le 2x et le moins 2x s'éliminent. Il nous reste moins 4. Et 3x moins 2x me donne 1x ou simplement x. Il nous reste le plus 2. Là, nous allons placer le terme constant, c'est-à-dire le 2, sur le côté droit de l'équation. Pour faire cela, on va faire x plus 2 moins 2. Tout changement qu'on fait à gauche, on doit le faire à droite. Alors, ça devient moins 4 moins 2. Plus 2 et moins 2 s'éliminent. Il nous reste x à gauche et moins 4 et moins 2 ensemble font moins 6 et x égale moins 6. Essaye de faire les équations ci-dessous et vérifie ensuite avec les vidéos.